fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a certaines sous-populations qui sont plus sensibles que d'autres. On a simplement un panorama très rapide. Dans mon laboratoire, on étudie surtout les effets des radiations. Alors, ça va être surtout les effets pour comprendre les effets secondaires de la radiothérapie, donc ce qu'on appelle les fortes doses. Mais également, on se pose la question, est-ce que certaines mammographies, certains scanners sur certaines personnes peuvent induire des cancers, c'est ce qu'on appelle les faibles doses. Et puis comme tout ce qui nous intéresse, tout ce qui casse l'ADN nous intéresse, eh bien, on a commencé à étudier à la fois les métaux lourds, les pesticides et plus tard les ondes électromagnétiques. Donc d'abord, le modèle des radiations et de la radiosensibilité qui est un bon modèle pour expliquer tout ça. Nous ne sommes pas égaux face aux radiations. Ça, je ne vous l'apprends pas, mais finalement, je ne vous l'apprends tellement pas que ça date de plus d'un siècle. Il faut savoir que les pionniers de la radiothérapie, je dirais même de la radiologie, voire de la radioépilation, parce qu'au début du XXe siècle, on s'épilait par radiation, ça n'a pas duré longtemps, et en fait, certains électrophysiologistes, électroradiologistes, vont se réunir à Lyon en 1906, et ils vont, à l'unanimité, faire un vote, c'était un congrès. On admet, après discussion, qu'avec des doses égales évaluées avec les indicateurs actuels, certains individus dans des conditions spéciales peuvent présenter des réactions quelque peu différentes. Alors, la sensibilité, qu'est-ce que c'est aux radiations? C'est tout de suite une affaire de cassure double brin, c'est-à-dire de trous dans l'ADN. Alors là, je vous montre des effets de la radiothérapie sur certaines personnes. Il est évident que là, on ne parle pas de mammographie, on en parlera tout à l'heure. Et pour comprendre comment la cellule répare les trous dans l'ADN, eh ben moi, je fais beaucoup de cours et j'essaye d'être didactique. Donc c'est mon modèle de la chaussette. Donc la cellule répare les trous de l'ADN comme ma grand-mère raccommodait les chaussettes. Il y a deux techniques. Soit le trou est gros et on suture. Si je ne suture pas, le trou reste et la cellule meurt. C'est la toxicité, ce qu'on appelle la radiosensibilité. Soit le trou est petit, voire tellement gros, que je suis obligé de rapiécer. Rapiécer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à une cassure, je vais prendre un bout d'ADN pour l'insérer. Et si je prends un bout d'ADN, ça veut dire que je crée deux autres cassures. Et donc là, il faut avoir cette notion qui peut être le seul message de ce topo, c'est de bien comprendre qu'après les effets chimiques, après les effets physiques, après les effets chimiques de l'exposition au stress, il y a la réponse biologique. Et quelquefois, la réponse biologique peut être supra-additive, comme on dit, c'est-à-dire, avant de réparer, elle crée d'autres dommages dans l'ADN. Et c'est notamment le cas. Donc, bon, rapiéçage, ça ne fait pas très scientifique, on appelle ça la recombinaison. Et on imagine tout de suite que si on fait du rapiéçage, on va insérer dans l'ADN des séquences qui n'avaient pas à y être. Donc, ça veut dire qu'on va introduire la notion d'erreur et éventuellement, ensuite, de transformation et de cancer. Donc, on peut très schématiquement caricaturer la situation en disant si je ne suture pas, la cellule meurt, on a des réactions de toxicité. Si je rapièce, j'ai peut-être un risque d'initier un cancer ou du moins une transformation cellulaire. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Et quand on parle en ce moment de radiosensibilité, on met tout dans un même paquet. C'est pour ça qu'on a introduit avec l'Académie française et l'Autorité de sûreté nucléaire le mot de radioesthésie, qui est la racine grecque de sensibilité, mais qui nous permet de dire que là, on s'occupe de cancers, ce sont des cancers radio-induits. Ça n'a rien à voir avec la toxicité et les réactions que je vous ai montrées. Alors, nous, dans le labo, on reçoit des biopsies de peau de plein de radiothérapeutes issus de leurs patients qui ont montré des sensibilités, qui sont susceptibles d'en montrer, et on regarde ce qui va se passer au niveau de la réparation de l'ADN. Mais on ne regarde pas que ce qui se passe dans le noyau, justement. Qu'est-ce que nous a appris, notamment le projet qu'on a appelé Copernic? On regarde, vous voyez, tous les petits points verts que vous voyez là, ce sont des cassures dans un noyau de cellules.
Donc on peut détecter la moindre cassure de l'ADN aujourd'hui, depuis les années, on va dire, 2000. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris qu'il y a une protéine, alors là je vous parle de radiation, on verra peut-être par la suite ce qui se passe. On a appris qu'il y a une certaine protéine qui est au départ cytoplasmique, qui après l'irradiation va passer dans le noyau. Et cette protéine qui s'appelle ATM va être le général en chef. Elle va dire répare tout court, et répare bien. Donc elle va stimuler la fameuse suture, et elle va inhiber le rapiessage, la recombinaison. Donc on a des patients qu'on a appelés groupe 1, radio-résistants, faible risque de cancer. Par contre, dans certains patients, à peu près 20%, on a un retard du transit de la molécule d'ATM, piégée par certaines protéines qui causent justement le syndrome. Et là, soit la cellule, elle va réparer mal, soit elle ne va pas réparer du tout. Si elle répare mal, on a un syndrome qui est associé au cancer. Si elle ne répare pas du tout, on a un syndrome associé à des toxicités. Donc le facteur individuel, c'est le rapport entre réparer bien, réparer ou réparer mal. Ici, je vous ai mis toujours les points verts, hein, dans le noyau, c'est des cassures. Les patients du groupe 1 qui, dans leur noyau, ne montrent aucune cassure spontanée, après irradiation, ATM passe dans l'autre, dans le noyau et on a bien identifié et reconnu les cassures. Par contre, les fameux patients du groupe 2, sans rien faire déjà, il y a des cassures spontanées qui sont dues notamment à l'hyper-recombinaison, c'est-à-dire un emballement du système biologique. Et quoi de plus logique de voir, c'est justement chez les patientes jeunes à haut risque de cancer, dont on sait qu'elles font de l'hyper-recombinaison, quelles sont les conséquences, alors cette fois de faible dose, par exemple pour les mammographies. Les mammographies, c'est 1000 fois moins une dose de radiothérapie. Donc on n'a pas de réaction de toxicité. Et 1000 fois moins, on a à peine une cassure produite, normalement. Et voici l'exemple d'une patiente jeune à haut risque familial, après l'équivalent d'une mammographie sur un mammographe avec son épithélium mammaire, où au microscope, on s'aperçoit que n'y a pas zéro ou une cassure, il n'y en a plus de 100. Et si on recalcule la dose équivalente, logiquement, ça serait 100 fois plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne une dose physiquement bien réglée ou une concentration de chimiquement bien réglée, bien mesurée, que la biologie ne va pas, entre guillemets, déconner. Et c'est la question, justement, pour les autres types de stress qui sont notamment cassants. Là, je vous donne deux exemples et j'aurai fini. Alors, il faut savoir que autant les radiations, c'est énergétiquement très très important. On va apporter beaucoup d'énergie. Donc on va casser, on va trouer l'ADN. Par contre, des stress comme les UV, comme les pesticides, comme les métaux, on va peut-être moins avoir cette histoire de cassure pour le brin, mais on peut avoir ce qu'on appelle les cassures simples brin ou les dommages de base qui vont entraîner d'autres mécanismes, etc. Mais on aura toujours les différences individuelles. L'autre exemple, c'est celui de l'aluminium. Alors cette fois, je vais aborder un autre problème, mais qui est aussi lié. C'est les différentes sensibilités des différents organes. Ici, vous avez, alors ce sont des micronoyaux, c'est-à-dire des cassures chromosomiques. On voit le noyau principal et des cassures non réparées qui se mettent sous forme de micronoyaux. Et on va les compter, et on va regarder ici le traitement par aluminium. Pour un même patient avec des cellules de peau, de moelle épinière, d'hippocampe et du cortex, vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes réponses. Donc, pourquoi ? Comment on peut expliquer ces différences pour un même individu des différents organes ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une protéine qui va migrer du cytoplasme au noyau. Imaginez simplement, mais ce n'est pas la seule explication, que pour certains organes, le cytoplasme est beaucoup plus grand. Eh bien, la protéine aura plus de chemin à parcourir pour aller dans le noyau et reconnaître les cassures. Et c'est ce retard qui peut expliquer les différentes sensibilité et la différence entre les différents tissus. Donc, c'est ma diapo de conclusion. Je dirais que finalement, les différences interindividuelles, on n'a pas du tout inventé l'eau chaude. On sait seulement, si on considère que la biologie crée aussi des dommages en réponse au stress, qu'il soit physique ou chimique,
que dans un contexte déjà stressé, avec alors ici un retard de transit d'ATM, mais on peut avoir d'autres mécanismes avec d'autres stress, des événements oxydants qui normalement ne poseraient aucun problème pour ce qu'on a appelé les groupes 1, peuvent entraîner des effets non négligeables. On peut avoir des groupes 2 qui n'ont rien sur leur peau, mais qui ont quelque chose au niveau cérébral, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien sur la peau, dans le sang, qu'il ne va pas y avoir des organes à risque en plus du facteur donc individuel. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde, en particulier Sophie Bessier et Geoffrey Bégon. Nous avons un projet qui vient juste d'être accepté par l'ANSES sur l'électrosensibilité, où on va prélever chez les patients qui se considèrent électrosensibles pour voir si justement il y a ces mécanismes de surajout, de dommages après un même stress. Et moi j'aime bien la phrase de Schopenhauer, la définition de la vérité, parce qu'elle est très 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 souvent valable pour les phénomènes de stress. Voilà, je vous remercie.